Super, j'apparais sur les Schtroumpfs, mon gars. Y a vraiment. Y a mieux comme intro, hein. Bonsoir! Bonsoir, bonsoir! Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il fait très chaud? Il fait 25, 27 où je suis. Est-ce que vous allez bien, les copains? Est-ce que ça va ce soir? Est-ce que vous êtes chaud pour du western? Est-ce que vous êtes chaud pour de la cowboy? J'avoue, je sais pas trop. Salut Psychose, je te dis pas bonsoir, c'est tout à ton habitude, hein. Bonsoir tout le monde, bonsoir Hadès, bonsoir Romtou, bonsoir Psychose, bonsoir Lily. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Moi je me pèle les couilles, mais je sais pas dans quel pays de très haute montagne tu habites. Dans quel bled de très haute montagne tu habites, parce que moi je suis en train de claquer ma race de chaud actuellement là. J'ai la fenêtre ouverte. Plus un ventilateur, plus bah, je suis en débardeur du coup. Je voulais me mettre en chemise, comme les derniers streams de RDR. Mais non. J'ai essayé, hein. Je l'ai mise. Je me suis réchauffé genre 5 minutes devant mon bureau pour voir si je tenais, tu vois, si j'avais pas trop chaud. Bah, le résultat est tombé. Si. Et du coup, bah non, il n'y a pas de. Non, pas de chemise. Hein. Je suis désolé, les gars. Je vais pas être classe aujourd'hui, hein. Bonsoir Hadès. D'ailleurs, oui, comme vous avez pu le constater, Hadès a eu une petite promotion. Hadès est officiellement devenu le premier modérateur de ma chaîne. Voilà. Donc, soyez gentils avec lui, sinon, attention, hein. Bon, écoutez, on va se lancer. T'as raté ça. T'es jamais classe. C'est vrai aussi. Faudra faire que je coupe ma moustache et je commence à la manger, ça va pas, là, ça me plaît pas. Hop, alors attendez, je vais me mettre. Hop. On va faire ça tout de suite. Je suis même pas modo. T'es là moins souvent qu'Hadès quand même. Et ça sert à rien de faire. Pff, ça te dit que tu t'en foutais que je te retire ton rôle de merde, comme on dit. De VIP. Attendez, juste faire un truc. Hop. Hop! Voilà, excusez-moi, fallait que je me lève. Et j'ai un magnifique short que vous ne verrez pas. Le level up, j'ai plein de jouets maintenant. Oui, alors doucement quand même, Hadès. Va pas te mettre en full chat shooting, comme on dit dans la langue de. Comme on dit probablement dans la langue de quelqu'un. Mais va pas te mettre en chat shooting, s'il te plaît. Restons. Le jeu veut pas se lancer, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce serait pas une mise à jour? C'est bon, ça se lance. Bon, est-ce que vous allez bien ce soir, les copains? Ce soir, on est quel jour? En ce mercredi. Putain, on est déjà mercredi. Eh ben, dis donc, le temps passe vite quand on s'amuse. Hein. Ça va tout le monde? Est-ce que tout le monde est chaud ce soir? Bonsoir Doeli. Eh ben écoute, moi ça va tranquillement. Hein. Dernier petit stream de la semaine là. Hop. Dernier petit stream de la semaine. Ouais, je vais vous monter le son du jeu parce que du coup il est extrêmement faible. Un peu comme moi. C'est drôle parce que c'est vrai. Impec, ça va? T'as rejoué à. Est-ce que t'as stream Judgment aujourd'hui Hadès ou pas? J'ai pas vu, j'étais pas trop concentré sur mon board, sur mon téléphone, sur mon Twitter, voilà. D'ailleurs, demain, putain, demain, les gars, je vais voir Kaamelott demain. Demain soir, je vais voir Kaamelott. D'ailleurs, je vous rappelle, hein, dernier stream, là, c'est le dernier stream de la semaine. Parce que je pars en week-end avec les copains. Donc, je reviens que lundi. Donc, voilà. J'espère que je vais pas vous trop vous manquer. Mais on va essayer de faire un bon stream pour le dernier stream, du coup. Enfin, dernier stream. Dernier stream de la semaine. Va falloir que je vous monte drastiquement le son. Non, pas le temps pour le moment pour stream. Ça marche. Attendez. Qu'est-ce que je voulais faire là? Oui. Non. Qu'est-ce que je voulais. Oui. Je vais passer le DLSS en. Ah bah c'est bon, c'était déjà en équilibré. Non, c'est bon alors. Tu me manqueras pas. Impeccable. Très très bonne ambiance ce soir. Ça donne envie de streamer. Ça donne envie de faire rire les copes. Les copains, je vais gerber. Ça donne envie de faire rire les copains.
Vous allez me dire pour le. Vous allez. J'ai des screamers dans RDR, moi. Vous allez me dire pour le son. On va aller se promener un petit peu. On va aller se promener où? Tiens, vous savez quoi? On va aller faire l'avis de recherche de Valentine. Comme ça, on va se promener un peu. Pour démarrer le stream, un petit peu de balade, hein, ça fait toujours du bien. Et comme ça, on va voir au niveau du son, etc. Attends, je peux pas parler à quelqu'un pour voir, tiens, vas-y. Est-ce qu'il faut que je vous montre votre son? Ouais, faut que je vous montre votre son, hein. Bah, je viens d'arriver, calme-toi. Ouais, je vais vous monter le son. Son jeu un peu faible, ouais, j'ai remarqué. J'espère juste que ça va pas se mettre à hurler quand je vais commencer à me latter avec des connards, hein, bien sûr. C'est le problème des deux RDR, hein, c'est que le son, quand les gens parlent, il est extrêmement calme. Enfin, le jeu, en général, l'ambiance du jeu est extrêmement calme. Mais dès qu'il y a un gunfight, mon gars, vous allez me dire là. Par exemple, est-ce que quand il y a du pan-pan, on m'entend quand même ou pas? Voilà, vous allez me dire. Salut, pseudo, est-ce que tu vas bien? Installe-toi paisiblement. On va faire du cowboyage ce soir. Comme des Kobayashi. C'est quoi Kobayashi? Pourquoi j'ai un truc qui s'appelle Kobayashi dans la tête, mais je sais plus ça vient de quoi, aidez-moi. C'est dans Cyberpunk. Les Kobayashi, c'est dans Cyberpunk. C'est pour ça que ça me disait un truc. Il est où mon autre Catman? Il est là. Oh, faut que je le répare lui, attendez. C'est cool pour le son. Eh ben écoutez, vous m'envoyez ravi. Ah bah c'est parti, ça y est, ça commence déjà à se foutre sur la gueule. J'ai entendu. Bah vite, attendez, je nettoie mon flingue. C'est où que ça tire? C'était à droite. C'est là-bas. Ça y est, ça commence. Ah mais c'est encore. Ah c'est un autre. Vas-y. Je te défonce, moi. Salut, salut, encore salut. Salut, SJ Tarno, est-ce que tu vas bien? Bonsoir, installe-toi. Ouais, toi, bah écoute tranquillement, hein, plutôt bien. Allez, c'est parti. Elle est où? Attends, elle est là-bas. Niqué. Allez. Oula. Qu'est-ce que ça, t'as envie de te latter? Non. Tu me donnes mes 10 balles. Well, I still owe you some, so come and get your money. Here you go. What in the hell? Alors, je me suis peut-être gouré de touche. J'ai peut-être appuyé sur F au lieu d'appuyer sur R. C'est ma faute. C'est quand même ma faute, je suis désolé. Bon, bah écoute, attends, je peux fouiller ton cheval ou pas? Non, il va mettre une tartine. Hein. Il va me mettre une tartine. Oh, good boy. Attends, je vais le caresser. Good boy. Good boy. Bon, il dégage. Allez, dégage. Oh merde! Mais je voulais lui mettre tu sais, une petite claque sur le cul, quoi! Je t'ai pas demandé à Arthur de lui mettre directement un uppercut. Ah là là, bon, bah ça commence bien, je me suis déjà gouré de touche. On vient de commencer le stream. Quand j'y jouais, j'étais un psychopathe serial killer. Ça dépend de mon mood, acteur, en vrai. Des fois, je vais juste faire des massacres, ou des fois, je vais aider les gens parce que j'ai envie qu'ils soient, parce qu'ils sont gentils, tu vois. Je suis assez bipolaire sur les jeux, moi, en général. Il y a des jeux où je peux me comporter comme le pire des fils de. Hein, bon, de schlag. Et des jeux où je peux vraiment être, mais plus ou moins Jésus, en fait, si tu veux, toi. Tu vois, genre, on me met une tarte, je tends l'autre, tu vois. Oh, t'as de la chance, attends, bouge pas, toi. Oh putain, j'arrive. Oh, il a eu de la. T'as sali ma veste! Oh, alors toi, t'es mort. Viens! Viens là, le rouquin! Je vais te faire courir, moi, tu vas voir! Est-ce que je sature quand je gueule ou pas? Normalement, j'ai viré le limiteur, mais je crois qu'il est encore mis. Viens te faire courir, moi! Voilà.
Ça t'apprendra à me renverser. Enculé. Je l'ai fouté attaché et je l'ai noyé. Ah yes, sympa ça. Très 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 bien. Ouais. Youhou. On se marre bien. Ah moi j'adore noyer les gens. C'est une de mes passions. En moins de 5 minutes, il a déjà flingué 2 civils. Un seul, l'autre j'ai juste mis un pain et il est KO. Il se réveillera plus tard. Et je me branlais. Ah, horrible. Ah, c'est horrible. Ouais, non, en fait, je comprends quand tu dis que tu jouais comme un psycho, en fait, ouais. Je comprends, finalement. Je comprends. Tu es terrifiant, du coup. Bon, allez, on va faire le truc de Valentine. Ah, mais putain, je suis recherché, là, non? Ah ouais, je suis recherché, ouais. Effectivement. J'ai pas le bon arme là, oui, c'est voilà. Le bison, je vais pas le laisser partir. Hein. Hop! Parfait état normalement. Bon, bon état. Du coup, je vais juste le vendre au charcutier de là-bas. Alors, qui est le psychopathe là? Oh. Un peu. Quoi un peu? C'est chaud. Je suis vraiment en train de claquer. Hey there, mister. Bonjour. Hi there, mister. Tu vois? Calm down, will you? Putain, mais ça m'énerve. Je te dis juste bonjour. Calme-toi, frérot. Bois un verre d'eau. Attendez, je me reprends un cure-dent. J'ai pété ma boîte, voilà. Du coup, je vais juste vendre la peau au charcutier, c'est pas grave. Hein. En fait, ce que je voulais faire, c'était... Bon, en fait, si je chope un bison, j'essaie de l'avoir une peau en parfait état pour aller le vendre au trappeur, pouvoir me faire un... C'est un espèce de poncho en peau de bison, je crois. Les PNJ sont beaucoup trop agressifs. Ah, mais mec, mais... Tu sens que c'est un pays de merde, les États-Unis quand même. Hein. Parce que les mecs, ils... Un braquage! Vu que c'était Léo Driscoll, j'ai foncé. Hein. Hop, excusez-moi, je me grattais. Bah, dans le jeu, il y a le KKK, je te rappelle, Gitarno. Hein. Y a une rencontre aléatoire. Ah, ils ont même découpé le corps d'un être humain. Tu les trolls. Ah bah oui. Bah tu les butes. Tu peux même. Tu les. Bah non, ils se butent tout seuls. Vu que c'est des gogoles, ils se butent tout seuls. Évidemment. Je crois qu'il y a deux rencontres. Une où ils se crament avec un. Avec leur croix là. Et une où je crois il se bute tout seul. T'as encore entendu un coup de feu ou pas? Pas de soucis mon petit monsieur, c'est normal. À votre convenance. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain! Meilleur... Oh oui, j'avais oublié ça. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une quête annexe. Ah, c'est là. Ils se font écraser par leur croix, c'est ça. Donc ça fait partie d'une quête. D'un tueur en série. Comme vous pouvez le voir. Hein. Look on my work. Qui est une des quêtes les plus cool, enfin une des quêtes d'investigation les plus cool du jeu. Récupérer les morceaux de cartes pour résoudre le mystère.
Pourquoi j'ai tiré du coup? Attends, reviens, c'est un malentendu. C'est pas moi. J'ai rien fait, madame. Voilà. Au revoir. J'ai rien fait, madame. Moi, je viens d'arriver. Hein. J'ai un alibi. J'étais en train de vous sauver la vie. Pourquoi il n'y a pas des gens comme ça dans l'online? Ça fait chier. Dans le online, en vrai, la nouvelle mise à jour qu'ils ont mis là avant-hier, on est combien? 11. Bah, hier, du coup, l'appel aux armes, c'est vraiment super cool. Donc, pour une fois, je vais pas gueuler. C'est littéralement un mode survie. Hein. Mais vu que ça fait beaucoup de références à des vieux films comme Les 7 mercenaires ou La Horde sauvage ou des trucs comme ça, moi je suis quand même assez faible, tu vois. Donc, non, en vrai, ça va, c'est cool. Alors, je vais vendre ma peau. Si je vends la peau, du coup. Oh, c'est vrai que j'avais pêché des poissons. Bah, attends, je vais tout vendre, mec. Non, pas ça. Non, pas ça. Ça. Merde, c'est pas ce que je voulais faire, mais écoute, ça marche. Hein. Parfait. Mais ouais, en vrai, dans l'online, la mise à jour, là, en fait, ça va, elle est pas si à chier que ça. Bon, la dernière mise à jour qu'ils ont faite, là, avec le capital, je trouve ça vraiment à chier. Mais celle-là, ça va. On va juste aller voir au niveau des fringues, en vrai. J'aimerais bien le changer un peu de look, notre Arthur. Hello, friend. Alors. Putain, ça me gratte de partout, c'est infernal. Alors, voyons voir. Y'a quoi comme tenue de base, tiens, fais voir. Oh, elle est pas mal, celle-là. En vrai, elle est pas mal. Tu changes juste le chapeau. Oh, mec, regarde-moi ça. ouais, ok. On va voir les chapeaux, tiens. Alors, commençons par le premier. Ouais. J'essaie de voir en vrai comment ça rend de loin, tu vois. Lui, j'aime beaucoup ce chapeau-là. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. Ouais, casquette. Ouais. Lui, il est cool aussi. Tu vois, j'aime bien. Oh, mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'event quand tu promènes dans le... Ah, il y en a aucun, d'ailleurs. Celui-là, il est pas mal, en vrai. Il est assez basique, mais il est pas mal. Ouais, bon, on va garder le chapeau d'Arthur. Hein. Voyons voir les vestes. Il y en a une que j'aime beaucoup. C'est celle-là, mec. Oh, mec, regarde comme ça. Oh, si, si, ouais, ouais. Oh, mec, il est trop stylé comme ça, je trouve. Dans le online, t'as quelques trucs aléatoires, mais c'est plus pour tes rôles, en fait. Qu'autre chose, quoi. Ah si, celui-là, à la limite. En blanc, y'a pas. Non, y'a pas en blanc, évidemment. Putain, y'a vraiment... Je trouve, par contre, y'a vraiment pas beaucoup de fringues en solo. Hein. Non, ils se concentreront jamais autant dessus que sur GTA Online, parce que ça rapporte moins d'argent, mec. Hein. Je suis le premier à être dégoûté, hein, mais... Ils se concentreront jamais plus sur RDR Online. Hein. Moi, le seul truc que j'aimerais bien, c'est ça qu'ils fassent la transition. Enfin, genre, qu'ils mettent tous les fringues qu'ils ont mis dans l'online dans le solo, tu vois. Ou inversement, qu'ils mettent les fringues qu'il y a dans le solo qui sont pas dans l'online, qu'ils les mettent, tu vois. Y a pas grand chose à acheter en vrai. Hein. Ouais. Bon, écoute, je suis assez déçu. On va aller voir aux armes, du coup. Ah, si, en vrai, comme ça, il est bien. En vrai, comme ça, je trouve qu'il est stylé. Ouf. On va le laisser pousser sa barbe, en vrai, je pense. Hop, on va mettre ça. On m'avait dit d'aller voir là-dedans. Est-ce qu'il est là? Non, il est pas là. Ok, bon, bah écoutez, on va aller voir les armes. Il est pas beau. Non, mais toi, tu n'as aucun goût. Hop, on va aller voir les armes. Pardon. J'aime me faire passer à ta balle. Hein.
Il n'y a pas encore les jumeaux. Non, pas encore. Ils arrivent plus tard. Il vient de me tabasser, hein. J'ai pris le mauvais chapeau. Effectivement, c'est pour ça que t'es mon pote. Elle fait mal, mais je l'avais déjà prévu celle-là. Dans ma tête, elle était déjà prête. Hein. Voyons voir, qu'est-ce que je pourrais même avoir acheté comme arme. T'en as pris une belle. J'ai pris un sacré pain dans la gueule, ouais, effectivement. Déjà, je vais me racheter déjà ça. J'ai dit. Voilà. Je me suis gouré de touche. Voilà, c'est ça ce que je voulais faire. Je vais reprendre des munitions pour un peu tout ce que j'ai pu. Hop, ça m'a l'air bon. Il m'a mis un sacré pain dans la gueule, le mec là. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai de débloqué que j'ai pas. Springfield, ouais, éventuellement j'ai le Springfield. J'ai pas encore la. Allez, c'est bon, j'ai trouvé l'arme que je vais utiliser jusqu'à la fin du jeu. Meilleure arme du jeu, je veux rien entendre. Non, ce n'est pas de lumière, c'est mort. Franchement, vas-y, c'est mort, attends. Par contre, j'aime pas la couleur. Non, ça c'est bon. C'est juste le cul. Non, le bois. C'est où le bois? Décoration? Non, ça je m'en branle. Cuir. On va le mettre. Attends, du coup, on va plutôt faire le vernis avant. Les armes anciennes, c'est stylé. Ah, mais moi, je suis vraiment faible hein, quand il s'agit de vieilles armes. De vieilles armes. Oh, il est bien noir comme ça. Quoique. Comme ça, j'aime bien. Hop. Ensuite, cuir. On va mettre un cuir un peu pareil, du coup, pour pas trop que ça dénote trop. C'est pas mal. Bon, bah, ça y est, les gars, je vous préviens. J'ai l'arme que je vais utiliser jusqu'à la fin de ce putain de jeu. Je regarde juste ce qu'il y a d'autre, du coup. Pourquoi il est gratuit, lui? Je sais pas. Ouais. Bon, bah voilà, j'ai l'arme que je vais utiliser jusqu'à la fin. On est bon. On peut arrêter de jouer, en fait. Je vous préviens, je suis super bon au carabine Evans, avec la carabine Evans. Hein. Regarde comme elle est belle. Regarde comme elle est belle, cette connasse. Attends, comment on fait? Comme ça. Je suis vraiment un putain de... Je suis trop faible, mec. Mais bref. Y a pas encore mon flingue préféré. C'est lequel, Hades? Bon, allez, maintenant... Déjà, attendez, elle est pas sur le bon côté. Moi, je la mets là. Voilà. C'est lequel Hades, ton pistolet préféré? C'est le Mauser, je suis sûr. Moi je reste basique. J'aime beaucoup les flingues, les single action army. Avec le M1089. Ah, je sais même pas c'est lequel, ça. Moi, je suis très classique, tu vois. J'aime bien les flingues avec des longs canons. J'ai besoin de compenser quelque chose, je crois. Bon, allez. On va faire la prime. The Terror of Valentine. Alors, rechercher récompense de 25$. Waouh! Ellie Anne Swan. Une récompense de 25$ sera payée pour l'arrestation d'Ellie Anne Swan. Recherchée pour avoir tué son mari, cette somme sera payée immédiatement après la remise de la prisonnière recherchée visant 24 ans de Georgie. Surnommée la veuve noire, elle a été aperçue dans les environs de Cumberland Falls en compagnie d'un homme inconnu qui pourrait la manipuler. Toute information. Ok. C'est le seul qui est pas dans l'online. Je sais même pas c'est lequel. Allez, c'est parti. Seulement 25. Bah, après, pour l'époque, en vrai, 25$, c'est beaucoup. Hein. Avec l'inflation, 25$, crois-moi, tu t'achètes une maison. Hein. Est-ce que ça se voit que j'exagère ou pas là? Je m'en rends pas compte. Oula. Bah attends, c'est quoi, on ira demain? Parce que là il fait nuit, c'est nul, je trouve les missions de nuit. On va aller voir au saloon s'il n'y a pas l'autre là. Hop, j'ai nettoyé mon cheval un petit peu, tiens. Comment on fait? Brosser, B. Come on, girl. Oh putain, si! Il me reste 500 balles, je sais ce qu'il faut que je fasse. La selle. Pardon.
Oh, je fais des petites références comédie musicale. Alors, gérez vos chevaux. J'avais oublié qu'il s'appelait comme ça, comment je le renomme? Renommé. Voilà, Raoult. Rire d'asthmatique. Hop, parfait. Alors ensuite, donc gérer vos chevaux, donc Raoult. Bon, déjà, on va vivre ensemble de soins, comme ça il ira bien. Équipement, alors c'est la selle que je voulais, moi. J'aime bien les trucs un peu gris comme ça, tu vois. Genre avoir un peu gris, un peu usé comme ça, j'aime bien. Hop, et la selle, du coup. C'est quoi celle préachetée? Ah, ok. Ça, il me semble qu'elle est bien. Hop. On va acheter des nouveaux étriers, tiens. Bonsoir, Yoyotaku. Bonsoir. Bienvenue. Oh, un copain. Ah, vous vous connaissez? Hop. Parfait. Il n'a aucun sens. J'adore. Non, je veux pas faire ça. Je vais pas faire le con avec mon cheval non plus. Voilà, ça m'a l'air mieux déjà. Normalement, je devrais pouvoir avoir plus de tenue sur mon cheval. Hop. Je vais aller prendre une chambre juste pour voir si je peux du coup avoir plus de vêtements sur mon cheval. Ah, il y a encore le mec qui a la chiasse. Y a encore le mec qui est en train d'en chier. Tu l'as? Alors, c'est où? C'est là. Non, c'est pas ça. Je voulais. Voilà ça. Est-ce que je peux avoir plus de tenue sur mon cheval? Je peux en avoir 5! Pas mal, mais j'ai. Merci. Merci beaucoup. Alors, du coup. Voilà, du coup, je voulais changer cette tenue. On va enlever ça et on va mettre le manteau que j'ai acheté, la redingote classique, parce que je trouve que comme ça, il a un style, Arthur, il y a un truc, hein. Franchement, cet homme, je le pépon, hein. Hop, voilà, on sauvegarde cette tenue. Tac, tac. Et du coup, je peux même en rajouter une sur mon cheval, donc on va mettre. On verra plus tard, hein. On verra plus tard pour se faire une nouvelle tenue. Bon, on va aller voir au bar là. Je vais aller voir s'il y a le mec en référence. Enfin, le mec qui avait le chapeau que j'ai tabassé là. On m'a dit de retourner le voir avec le chapeau sur ma tête. Donc je vais voir ce qui se passe. C'est qu'en solo, on peut pas rename les tenues. Ça casse les couilles d'ailleurs. Moi, en multi-mec, toutes mes tenues, elles ont un nom particulier, vraiment leur distinction et quelle, enfin genre comment je les considère et quelle température elles ont. Enfin genre pour quelle température elles sont faites. C'était celui-là le chapeau que je devais mettre. Voilà. Pourquoi? Il se passe quoi? Mais j'ai rien fait! Mais je viens d'arriver là! C'est quoi ce pays de tarés? J'allais prendre mon cheval! Et je me fais tabasser! Oh putain, foutez-moi la paix! Mec, mais je me fais agresser! Une tenue par degré. Non, j'ai 8 tenues sur mon dans mon dans mon online, moi. J'en ai 10, je crois. Mais que 8 que je peux mettre sur mon cheval. Oh, mais il casse les couilles, ce pays de merde, là! Je me suis merdé là. Attends, il me tabasse.
Ah, j'ai merdé, ouais, c'est foutu. Je vais me faire tabasser. T'as bousculé un type en sortant de l'hôtel. Ah ouais? Merde, j'ai pas fait gaffe. Bon, attends, il m'emmerde. Aïe! Je croyais qu'il fallait me bagarrer, moi. Mec, mais c'est, je suis une catastrophe aujourd'hui, moi. Quel pays de merde, quand même, les États-Unis. J'ai même pas fait gaffe que j'avais bousculé un mec, dis donc. Mais non, mais du coup, je vais me faire agresser. Eh, vas-y, j'en ai marre de ce pays de con. Bon, allez, on se casse, là, j'en ai marre. Tant pis, je voulais aller au bar, eh ben, niquez vos mères. Putain, en plus, c'est moi qui me suis fait agresser, quoi. C'était de la légitime défense, quoi. Ce screen, ah mais mec, mais ça me casse les couilles que sur leur Rockstar Game, on puisse pas faire de screen, ça me dévaste en fait. Howdy folks, howdy Persolis, how you doing mate? Non, ça c'est pas Cowboy, c'est plus Peaky Blinders. Je viens de me faire écraser par mon cheval. Bon, eh, au moins j'ai plus de primes. J'ai perdu de l'argent, mais j'ai plus de primes. J'ai plus de vie d'ailleurs. Bon, je vais aller picoler. J'ai plus de vie, mec. Je vais aller manger des amandes. I'm doing better than you for sure, boy. Oh, il est là-bas. Il est là-bas. Faut que je prenne son chapeau. Normalement, on m'a dit d'aller voir. D'aller le voir avec son chapeau que je l'ai piqué. J'ai l'air... J'ai aucun style, hein. Je vais voir qu'est-ce qui va se passer. Ah, c'est ça! D'accord, bah il me tabasse, en fait. Oh! Mec, j'ai plus de vie! Il va me tabasser. J'aurais pas dû vous écouter, en fait. Oh merde! Pardon! Oh, arrêtez! Mec, mais je suis une catastrophe, quoi. Non, c'est une gueule, je vais mourir. Bon, attends, je peux le prendre, lui, voilà. Arrêtez! Mais quel pays de merde! Tabassez-moi! Oh! Oh, je la connaissais pas celle-là, tiens! Je peux finir de tabasser lui ou pas? Bah attends, ok, je me rends. Il me tabasse. Ouais. Mais tu fais tabasser, ouais. Bon, j'y retourne, hein. Ah, je vous préviens, j'y retourne, moi, hein. Round 2, hein. On y va. Le round 2, moi je suis chaud. Arrêtez de vous battre. Franchement, ils étaient à deux doigts de mettre une balle dans la tête. Hein. Franchement, moi, vas-y, je suis chaud pour y retourner. Hein. Vas-y, je suis chaud. Vas-y. Vas-y, t'es où, fils de pute? Oh, le bâtard, il est parti. Putain, enculé. Il est parti. Je suis tombé sur un adversaire plus coriace. Franchement. J'en ai marre de ce pays de merde. Je vais tous les tabasser. Voilà, j'en ai marre, c'est bon. Vous faites tous chier. Je me casse. Non.
J'ai dit je me casse. Pourquoi je suis tombé? Putain, j'en ai marre. Mec, je suis vraiment l'idiot du village, quoi. C'est incroyable. Tu fais exprès, mais même pas, mec. Même pas. Mec, ça fait une heure que j'ai commencé le stream, on a toujours pas fait une mission, quoi, tellement je suis une catastrophe. On part au Mexique. Eh, franchement, vas-y, je pars au Mexique, je m'achète une femme, j'allais dire. Je me trouve une femme et je m'installe, je m'achète une petite maison. Fight Club. Merci, Hades, pour le clip. Mets-le sur le Discord. Je me suis vraiment... C'est pas ça que je voulais faire. Je me suis vraiment fait tabasser, là. Non, c'est pas ça que je voulais mettre, c'est l'autre, du coup. Celui-là, voilà. Voilà, hop, comme ça, je suis tout propre. Le pass autisme. Ouais, non, mais mec, mais c'est incroyable. Je suis vraiment, mais... Tiens, bah c'est l'idiot du village, là-bas, c'est Arthur. Ma prime, elle a pris 15 balles. Franchement, j'aurais dû le flinguer, le gros porc, là. Excusez-moi, je suis en colère. Coucou, Sinistra, bah j'espère que tu vas bien, hein, écoute. J'espère que tu vas bien. Ils sont gentils, on va se battre si j'y vais. Ok, on va se battre, on va se battre. Au revoir. Au revoir, au revoir. C'est gentil de passer faire un petit coucou Sinistra, en tout cas c'est adorable. Bon, allez, cette fois-ci on va peut-être pouvoir faire une mission, bordel de merde. Je commence à en avoir marre là. Hein? Pourquoi il y a un cerf là? Oh la vache! Ah oui, c'est pas normal ça. Bon, écoute, moi ça va tranquillement, hein. J'ai des cure-dents de merde, donc ça va pas si bien. Mais non, si, en vrai, ça va tranquillement. Dernier petit stream de la semaine pour moi, là, avant les petits week-ends que je m'autorise. Mais donc, ça va plutôt bien, ça va plutôt bien. Mais en tout cas, oui, c'est adorable de passer faire un petit coucou. Il s'est un cerf. Cerfé. Quoi? Il s'est un cerfé. J'ai pas celui-là. Celui-là, j'ai pas, Persaïs, j'avoue. Il s'est. Inséré. Yes. Raconte pas ta life, mais t'es juste jalouse parce que tu viens pas. Et parce que je veux pas aller à Disney d'ailleurs. Ouais, parce qu'il y a Lily tout à l'heure qui m'a demandé si je voulais venir à Disney, mais en fait je crois qu'elle a pas compris que j'aimais pas aller les... Que j'aimais pas les... Ce n'est pas disponible à cause de vos crimes récents, revenez plus tard. Ok. Yeah. 21 sur 20 hein, le jeu, hein, je rappelle. Hein. Les gens qui lui ont mis 21 sur 20. On va dormir un peu. J'ai pas envie de venir avec toi. Fais gaffe, je ressors les messages. Attention. Tiens, bah tu sais quoi, je vais manger un peu parce que mon Arthur il a perdu du poids à force de se faire tabasser. Par contre, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi c'est pas les mêmes touches en online qu'en solo, je comprendrai jamais. Pour faire cuisiner, c'est entrée, pas en multi, pour faire cuisiner, c'est entrée. Allez, on va rompiche bah, jusqu'à minuit de lendemain. Allez, avec la chance que j'ai, je me fais tabasser pendant la nuit. Avec la chance que j'ai, je me fais attaquer par un ours, ou un cougar, ou un coyote, ou des clodos, enfin je me fais attaquer par un truc. 100% là. Je préchote. J'ai pré-shot. C'est pas des clodos, c'est juste des chasseurs de primes, mais... Mais j'avais pré-shot. Pas sur console. Bah en tout cas, là... par rapport au multi... Le multi, pour cuisiner, c'est quand tu maintiens entrée pour faire cuire. Ça revient ? Ça revient ? Voilà. Bon, attendez, vous savez quoi ? Eh, vas-y, on reviendra plus tard pour faire ça. Elles sont où, mes missions ? Elles sont au camp. On va retourner au camp, c'est bon, j'en ai marre. On le fera plus tard, hein. Écoutez, on se sera promené, on aura fait quelques trucs rigolos, ça se sera pas bien passé. Mais au moins, on a la santé. Enfin non, du coup, en plus, parce que je suis mort. Salut!
vraiment une merde. Je suis vraiment une merde. Salut, l'Ouvreur, salut. T'arrives à un moment où je m'humilie pas du tout. T'as vu ce qui s'est passé? C'est comme quand tu... Mais ouais, ça, ce qui s'est passé là, c'est comme quand tu retires la nappe et que les couverts ils restent. C'est quand tu tires une nappe. J'en ai trop marre. J'ai juste envie de me foutre en l'air, mec. Et putain, j'ai pas pris la bonne route. Comment j'ai fait pour survivre aussi longtemps, moi? Alexandra Lederman le déteste. Tu sais que j'ai jamais joué à un seul Alexandra Lederman de ma vie. J'ai vu des images de gameplay, mais j'ai jamais joué. Alors que pourtant, petit, j'aimais beaucoup le cheval. Hein. Jusqu'à un terrible accident où j'ai failli me buter. Mais personne n'aime Disneyland, Lily. Faudrait que tu comprennes ça. Hein. Personne d'humain, enfin de normal, n'aime Disneyland. Je dis ça alors que la plupart de mes potes, ils kiffent, quoi. Je vais juste me faire tabasser. Ouais, t'arrives. Ouais, non, tu devais. Franchement, t'aurais pas dû venir parce que tu vas juste me voir martyriser des chevaux, sinistre. Vu que je suis une catastrophe. Alors, ça, c'est la merde. Barrez-vous. Bon, bah, je voulais pas en arriver là, mais vous m'avez forcé la main aussi. Il est où le troisième? Il est où le troisième? Il est où? Mon cheval il panique. Pas de panique à bord. Non. Le fun et la vitesse, pas d'abord. Arrête! Oh putain. Il est où? Désolé, mais là... Ça va en vrai, mais bof bof, on va dire. Bah tiens, tu vois, Lily, je te l'avais dit, personne aime Disney. Oh non, les dadas. Adorable. Et toi, tu fais l'inverse, ouais. Mon cheval, ça y est, il est parti dans un autre continent. Je vais rentrer à pied. Eh oh. Eh oh, comment de bon, hein. Oh putain, bon état. Mais pourquoi je regarde par là? Bon état, cheval, secours. Personne veut aller dessiner avec moi. Mais non, personne, Lily. Même d'ailleurs, Astérix, c'est pareil. Hein. En plus, j'ai déjà été au passage. Oui, yes. En français, ça voulait dire. Oh, et moi, en plus, j'ai déjà été au parc Astérix. TG. Super ambiance. Sinon, c'est surcoté. Bah. En vrai, comme j'ai expliqué à Lily, la seule fois de ma vie où j'y ai été... Non, en fait, j'y ai été plusieurs fois. J'y ai été plusieurs fois. C'était quand j'étais vraiment très très petit. Et que j'avais pas encore toutes mes peurs... Non-assistance en... De quoi? J'ai pas le mot. Bref, je me sentais plus à l'aise dans les trucs à grande vitesse et tout, tu vois. Mais maintenant, j'ai vraiment beaucoup de mal à ce genre de trucs, moi. Je dirais pas que j'ai peur, parce qu'en vrai, bah, s'il faut en faire, j'en fais, tu vois. J'y peux éviter, bah j'évite, quoi, parce que... J'aime pas ça, quoi, genre, je me sens pas à l'aise, quoi. Je préfère limite faire l'hélicoptère, quoi. Qu'aller dans une attraction, si tu veux. Oh! Oh, ils sont là! Attendez, on va s'amuser! Ils sont là! Oh! Yes! Ouais, vas-y, ouais. Ouais, spéciale occasion. Attends, je vérifie que toutes mes armes sont chargées. Ouais, je suis bon, vas-y. Vas-y, spéciale occasion. Et d'ailleurs, merci, Louvre, hein, je viens de voir ton message, merci beaucoup. C'est le doubleur de Dutch, hein. Il a la même voix que le doubleur de Dutch. But today,
C'est sûr parce que ce débardeur il me fait un décolleté à un moment. Je vais pouvoir inscrire le nom de mes subs sur mes pecs. Ça marche, merci Sinistra d'être passé encore. Bonne nuit à toi et à très très bientôt et à la semaine prochaine, j'espère. Tiens. Vas-y, vas-y, accepte la lumière là. Ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ils sont 12. Bah parfait, j'ai 20 balles. Impeccable. J'ai 22 balles, je crois. On va s'amuser là. Bisous, Sinistra. Oh, c'était un cheval, ça. Oh, viens là, toi. Oh, toi, je te laisse pas partir, toi. Oh, le bâtard. Oh, putain. Je l'ai eu. J'ai eu leur chef. Bon, bah, voilà. Oh, ça fait du bien de tirer sur des cons. Oui, en plus, tu sais qu'il mérite, donc c'est ça qui est cool. Pas le cheval. J'ai tué un cheval? Merde, j'ai tué un cheval. Compte rendu. J'ai peur de ce que je vais dire. Oh. Ouais, bon, les couilles. Hop. Allez, bon, bah, ça fait du bien de tirer sur des cons un peu, non? Ah, moi, j'aime bien, moi. Moi, je trouve que ça détend, moi. Je sais qu'on pourra les avoir plus tard, dans la prochaine, quand on les croisera la prochaine fois, je les flingue au double canon parce qu'ils seront moins nombreux. Bon allez, on peut y aller, on a fait notre travail. Allez, on va se coucher les copains. Allez, bonne nuit tout le monde, merci d'être venu pour ce stream. Je peux tirer sur toi? Pas mal celui-là, pas mal. Pas mal du tout. Bon, donc, on disait. Je voulais, voilà, picoler un peu. Qu'est-ce qu'on voulait faire, là? Oui, les missions. On va retourner aux missions, parce que, bah, c'est de la merde. Y a pas de mission plus près? Non. Bon, bah, écoute, on va faire celle-là. Bon, sinon, ça va, vous? C'est une bonne soirée à me voir faire de la merde. Putain, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est bon, ok. En fait, j'ai l'impression que partout on va croiser des trucs, des événements aléatoires et que. Non, mais toi, tu cherches. Non, mais il cherche la merde. T'as vu, mec, il est resté devant moi, quoi. Quelle catastrophe. En plus, je suis vraiment enculé parce que je l'ai même pas, j'ai même pas découpé sa peau. C'est-à-dire que là, il va juste rester là à moisir pendant encore quelques semaines en fait. Et je lis vos messages, hein, Lily. Hein, je les lis juste pas à haute voix. Hein. Non, mais juste au cas où. Hein, à chaque fois que je regarde là, c'est parce que je regarde le chat. Hein. Mais j'ai encore flingué un truc. C'est quoi ce coup-ci? Ah, c'est un oiseau. Bah. C'est quoi? Mais il est où? Bah. Ah bah! J'avais dit que c'était un oiseau! C'est un quoi? Un cadavre de brûlure! Bruant! J'ai pas eu le temps de lire. Comme Aristide! Petite référence culturelle! Ça va faire mal un oiseau dans la gueule. J'en ai déjà pris un dans la gueule quand j'étais en moto avec mon père. Enfin, dans mon casque, du coup. Ça fait mal, effectivement. Enfin, genre, moi, ça m'a juste fait... Oui, Lily, je lis vos messages. Hein. À chaque fois que je regarde là, je lis les messages. Hein. Juste que bah, je les lis pas tous à haute voix, parce qu'en vrai, les gens qui regardent la rediff, ils en ont rien à foutre des messages du chat, quoi.
Eh, c'est quand même beau le jeu. Hein. Rip l'oiseau. Ça fera un petit peu de viande. Un petit peu de viande. Ouais, voilà. Je savais pas où j'allais avec cette punchline, donc attendez, je me gratte. Quelqu'un peut venir me gratter le dos, s'il vous plaît. Tiens, bah Lily, viens me gratter le dos. Hop. J'ai des poils de mousse de ma moustache qui sont dans mon clavier. Je crois qu'il va falloir que je remette de la crème parce que je commence à reperdre ma moustache, moi. Lis mon message. Bah voilà, faut pas regarder le chat. En plus, y'a des mecs qui sont en train de braquer un truc là-bas. Faut pas lire le chat. Te gratte le nez et te pique un centime. J'en ai même pas, mec. J'ai même pas eu le temps, mec. Ils étaient en train de... Ah si, c'est bon, ils se sont juste abattus entre eux. Ok, on s'en fout, alors. Comment ça, t'es en vie? J'ai mis une balle dans la tête? Je lui ai pas mis une balle dans la tête? Bah, du coup, j'ai un doute maintenant. C'est vrai que tu l'as mérité. Ramenez ce chariot à un reseller pour recevoir une récompense. Oh, fils de pute, il est loin le reseller. Bah non, attends, c'est un reseller ça. On va juste faire ça, hein. Écoutez, hein. Bon, ça fait un petit peu d'argent. Je vais le buter l'autre là-bas, vous inquiétez pas, hein. Je fouille juste ses potes avant. Oh my god, motion d'élu. Attendez, je vais voir si je peux le torturer un peu. Non, je peux pas. Mec, c'était tellement froid. Oh, c'était... Ah, j'aime pas. même moi, je suis mal. Bon, attendez, je vais aller le revendre à un wrestler. Non, il faut bouger à un moment, monsieur, là. Non mais ils se foutent de ma gueule. Mec, t'as tous les animaux de l'histoire qui se foutent devant ma carriole. C'est une blague. Je deviens fou en fait. Il mon cheval, non, ça te dit pas de ramener ton cul là. Putain, vous avez vu que je conduis comme dans Euro Truck là? Je conduis comme dans Euro Truck Simulator. Il a adoré Yoga. Sora. Ah ouais, de ouf. Et Queen's Blade aussi. Queen's Blade. Et beaucoup nos picots également. Non! Si, c'est bon. Queen's Blade. Yes. Comment elle s'appelle? Rita? Celle qui a les cheveux rouges. C'est ça, c'est Rita, je crois. Non, mais mec, mais c'est pas possible. Ils se foutent tous devant moi. Risty, voilà, Risty. C'est ça, Risty waifu matériel un petit peu. Je sais pas à qui je dois l'amener, ils m'ont dit à un wrestler. Risty et Tomoe. Ah ouais, Tomoe, mec. Tomoe, ouais. Ouais, y a pas de soucis, je suis d'accord. Mais Risty quand même un peu plus. Hein. Bon, je sais pas, tant pis, on va juste faire la mission de Grey là-bas parce que. Ça revient, mais ça fait un moment que t'as pas joué à ETS. C'est vrai. C'est vrai. Non, enfin, si, j'y joue personnellement, mais en stream, c'est vrai. Merde! Bon, c'est pas grave, tant pis, j'aurai les armes sur le dos, c'est pas grave. Allez, je suis en train d'enculer, mais toutes les cultures, c'est parfait. Y'a quelqu'un, y'a quelqu'un. Non, c'est bon, y'a personne. Oh. Essaye Chimus. Non, mais la flemme, c'est trop loin. Ça soulève mes oreilles de ne plus t'entendre chanter, ah, ça je comprends par contre. I was hoping you'd talk a moment. I'm a student of the history of the region and I ain't the one to speak to. Try Master Bo. Think he's down there by. J'ai oui, j'ai raté mon cure-dent. Boy's got all the time in the world. That's cool, bro.
Bref, parlons. C'est où? C'est où? Allô? Y'a quelqu'un? Bah, il est où ce con? Bah. Eh, vas-y, mec, j'ai fait tout le tour! Putain, j'en ai marre de mon sens de l'orientation! Bon, raconte-moi ta vie. Il fait genre ça boule et tout. Excuse-moi, friend. We friends? Not yet, but he is open. I guess. J'ai voulu faire la blague, Russian. Mais je me suis dit que ça marchait pas avec moi. Ultra triste. Yankees about the place. Is there? What are you doing here? I was just looking for work. Well, looking for something. Don't worry, your secret's safe with me. What secret? Merci Persalis, j'étais pas j'avais pas compris, dis donc. Normal. Excuse me? Never mind. The thing is, I don't care if you kill the whole lot of us and the Pourquoi il y a des gens armés qui viennent vers moi là, hein? Tu les as vus? Vous avez vu, il y a des mecs armés qui pointent leurs armes qui arrivent vers moi? Ce serait pas des chasseurs de prix, mais le jeu il a bugué. Regardez à droite là. Regardez! Lee Gray, the sheriff, grandson of old Murdo Gray. 21 sur 20 le jeu, on rappelle. Ils attendent la fin de la cinématique, ils sont sympas quand même. And stupidity. I'm supposed to be loyal to some nonsense while she... Allez vers eux, je vous en supplie, genre, traversez-les. She's like a woman from the future. She's like... Mais va à droite. Arthur, t'es très calme quand il y a des gens qui te menacent. Gang feuds, seems unseemly. I'll pay. I've got money. We Greys, we've always got money. No brains mind, but money. Well, in that case... I know she loves to sit out in the gazebo on the edge of the Braithwaite property. Take her this letter and this bracelet, please. J'ai besoin plus de cette quête. Ah, je vais me faire tirer dessus. Ah bah. C'est bon, impeccable. La matrice les a annulés. On est bon. C'est vrai que j'ai une tête de bully. C'est vrai. Les nerds au collège, les nerds. Oh là là, je me suis fait mal à la langue à faire dire ça, quoi. Avec le Z, hein. Faudrait que je... Voilà, comme ça. Hop. Petit peu de picolade. On est bon. Mais je me souviens pas de cette mission. On va dire que c'est pas mon moment préféré du jeu, tout ce coin-là, je crois. Le jeu devient cool un peu après. Même si, bon, Arthur porte très très bien l'étoile. Attention aux blagues que vous allez faire. Je vous connais, certains là. je peux faire break shot. Avant, c'était pire. Comment ça? Ah, les cheveux. Si tu parles des cheveux, Lily, ouais, ouais. Non, mais ouais, non, c'est vrai que, ouais. Elle est cool, elle est belle la musique là, j'aime bien. Faut aller où? En plus, j'ai retrouvé des vieilles photos Facebook de moi. Ça fait mal, hein. Ça fait mal au cœur de... Passez sans vous faire voir, merde. Montre, jamais. Jamais de la vie, en fait, Lily. Mec, je me suis laté contre Lucky Luke! Il a dégainé plus vite que moi, il m'a tiré dans le cœur! Qu'est-ce que... Va-t-il se faire repérer? Perdu! Non mais en MP. Ah non mais non plus hein. Non mais pourquoi je remonte là-dessus? Non mais du coup c'est perdu. En fait tu l'as fait un peu trop tard ton truc là. Bon attention. On se discrète.
T'es nul. Ouais. Franchement, je sais. C'est peut-être mieux d'aller par là-bas, du coup. Attends, je vais repasser par là-bas. Non, mais toi aussi, tu te fais voir direct. J'ai pas fait exprès. De deux, il a dégainé plus vite que moi. Normalement, je suis censé lui mettre un coup de couteau. Enfin, un tomahawk dans le bide. En plus, j'ai même pas besoin de m'accroupir tellement le jeu il est éclaté en infiltration. Que je sois accroupi ou pas, ils vont m'entendre, donc... Oh, il y en a un, là. Attends, je suis RP. Il arrive. Ah, il arrive. Oh, une pomme. Le mec, il s'enfiltre, il prend des pommes au passage. Il y en a trop, en plus, mec. C'est justement le fait que tu l'as pas fait exprès qui rend la chose pire. C'est vrai. Oh, des pommes! Oh, putain, je suis plein. Chier. Le voleur de pommes. En fait, je suis venu en propriété juste pour piquer des pommes. C'est bon, je peux speedrun maintenant. Il n'y a plus de danger. Regardez, tout va bien se passer. Tout va très bien se passer. Oh bon, j'arrive à la nage, écoute. Hein. Tu nages vraiment comme un gogol, Arthur. Tu nages vraiment comme un chien mout. Oh là bah t'es soufflé, Arthur. Respire un coup, hein. Bonjour ma petite dame, livraison spéciale. Attendez, j'ai ramassé un cure-dent que j'ai fait tomber à côté de la poubelle. Hop. A letter and a gift. Well, we don't even know each other. Well, it's not from me. It's from From Beau. Oh, he's from Beau. Strange. Yes, he's a little strange, but also en multi. The rest of our families are... Je sais pas si c'est un rapport ou pas. Il y a un personnage qui s'appelle Beau Gene, je sais pas quoi, en multi. Je sais pas si c'est de la famille du coup. Bah non, je suis con, c'est Gray, son famille, c'est pas Beau. Même moi je me dégoûte. Have you ever been to Ohio, sir? No. Well, neither have I, but my uncle has a factory there. He was sort of the black sheep on account of having left, but now they tolerate him because he's a vicious snob. Families are there's something else. You got a family? Et qu'il arrive, il picole quoi. No, not really. Well, they tolerate him because of the money. But me, with my ideas above my station, they can't stand. That sounds pretty complicated. I don't know quite what to say. Well, nothing to say, except I hope they all rot. I don't. Well, maybe a bit. But here. If you see Beau again, will you give this... Oh, le postier, quoi. Sure. Putain, le pauvre mec, quoi, c'est un cow-boy. Hein. Quitter la zone sans se faire repérer. Aïe. Le mec, c'est un cow-boy, un hors-la-loi, qui cherche à se faire de l'argent, et là, il fait le postier, quoi. Pour rien. Pour rien. Tu te fais exploiter. Ouais, t'es un postier, quoi. Et encore, lui, il livre, hein, contrairement à la poste. Oui, petite crotte de nez, parce que j'ai encore eu des soucis de livrer. Je vais chez moi de poste, donc... Ça fait du bien de se défouler un petit peu. Je vais partir par là-bas, hein, ça vous dérange pas? Eh? Je me suis pas fait repérer, Hades. Je ne me suis pas fait repérer. Mako a crash. Ah bah, dis donc. C'est rien, c'est free. Hein. Parfait. Un amour sincère. C'est pas ça que je voulais faire. Même pas. C'est du bol. Moi, je suis chez Free, je souhaite à personne. Du coup, on va aller voir Lenny.
On va aller au camp pour voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme, comme quatrième tenue sur la balade, les tenues en fait. Sur le cheval du coup. Allez! C'est par où? C'est par là. Bon, moi je m'en fous, je suis le GPS. Hein. Ah, attendez, je fais juste un petit truc. Excusez-moi, je fais juste un tout petit truc. Hop! Excusez-moi, on est retour. Très très beau saut. Alors, c'est pas ma faute, mon cheval a eu peur. C'est pas ma faute, mon cheval a eu peur. Je vous jure que c'est pas ma faute. C'est mon cheval. C'est pas moi, c'est le cheval. Du coup, ça va. Pourquoi mon cheval, il a tapé son plus beau décalage? Ah putain, quand je fais espace, ok. Ça fait quoi si je vais au camp en étant poursuivi, tiens? Ça marche, merci d'être passé, Yo-Yo Taku, merci beaucoup. Et merci pour le follow, d'ailleurs, je viens de voir aussi, également, merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe si je vais au camp, tiens? Est-ce qu'on va se battre? Ah, je vais me faire engueuler. Qu'est-ce qui se passe? Ah, rien. D'accord, bah écoute, impeccable. Parfait. Alors, il y a mon cheval qui est encore dans le camp. Ce que je voulais faire, c'était déjà manger du ragoût. Vendre mes... Donner mes pots à Pearson. J'ai dit. Ouais, dépêche-toi, voilà. Donner mes pots à Pearson. Voilà. Manger du ragoût, qui n'est pas encore prêt parce qu'il est là. Très bien, donc on va juste aller dormir. Eh ben dis donc, ça l'ambiance ici, hein. Ça l'ambiance. ouais. Ouais, on va aller rompiche, hein, écoute. Go back to Blackwater and get the money. Meet you all someplace and we'll be home free. That's it. Excusez-moi, j'écoute un peu ce qui se passe quand même. Think about it. That's all I'm saying. Way I see it, we gotta try. Quel connard ce Micah quand même. I'll think about it. Thank you. Non, vas-y, c'est quoi, je vais le laisser pousser la barbe un peu. Et tiens, mais limite, est-ce que j'en ai? Oui, j'en ai. Parfait. Je vais laisser Arthur pousser la barbe. Je vais laisser la barbe d'Arthur pousser. C'est mieux dans ce sens-là, la phrase, d'ailleurs. Parce que je préfère Arthur avec une longue barbe, en vrai. Attendez, excusez-moi, j'aurais vite fait mon téléphone. Attendez. Excusez-moi... Hop, excusez-moi. Ensuite, bon, est-ce que le ragoût est prêt, monsieur, là? Putain, le ragoût n'est pas prêt? C'est un scandale! Je veux manger, moi. Oh, reviens, tu retournes, toi, je te laisse pas partir comme ça, toi. Reviens. Oh! Oh, je le laisse pas partir. Non. Non mais caresse-le. Arthur, je te jure, si tu le caresses pas, je t'abats. Je te suicide. Reviens.
Reviens, Cain! Ta gueule! Je suis busy, j'essaye de caresser le chien. Oh, ça marche! Oh yes! Allez, on reste ici 1h30. Carrière, hein? 22h, on reste là jusqu'à 22h30. 22h13, on reste là jusqu'à 22h40 du coup. C'est vraiment les meilleurs trucs dans les jeux vidéo quand tu peux caresser les animaux, je crois. C'est le moment le plus reposant. Bon, allez, bref. Bon, bah écoutez, du coup, on va faire la mission. Hein. C'est parti. Mais qu'est-ce qu'ils ont à tous me parler? Ah non, ok. Qu'est-ce qui se passe? Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont à tous me parler? Attends, vas-y, on va aller faire la mission parce que là j'ai plus rien à dire parce que je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il se passe tellement de trucs que je sais pas quoi dire. Allez, la mission. C'est quoi? C'est une mission de pêche? C'est encore une mission de pêche là? Non, je vais hurler. Vas-y, parle-moi, Lenny. Lenny. Lennichon. Dutch and Jose seem to think is out there just waiting to be stolen. Why? I got something. Could be good. Yeah? Yeah, I was in Rhodes talking to some of the colored folk. They said there's a gang of fools holed up in the swamps east of here who think their war ain't never ended. The Civil War? Yeah, apparently it's still raging in these fools. Je dirais pas, ton mais... Non, mon père Salis, le dis pas, j'ai compris. These ignorant fools are weapon dealers. Il a dit. Lenny Barr. Yes. Anyway, the old boy I was talking to reckon there might be a bunch of cash just sitting around. Lenny Zérable. Non, ça marche pas, je suis con. Hein. Non, je suis con, il dit lui. Worth taking a look at least, isn't it? That was my thinking. Said it was at some place called Shady Bear, deep in the woods. Ok. Gogol va. Gogol. Ça va et toi, taxi? I was hoping you'd be in. If it's how they told it, it's gonna be something all right. J'ai même pas écouté ce qu'on va faire là. Je crois qu'on va braquer un truc, je crois, si j'ai bien compris. God damn, boy. Celui qui dit qu'il est. Superbe ambiance. Pourquoi mon écran il clignote des fois comme ça? Je sais pas si ça vous le fait ou pas. Non, ça a pas l'air de vous le faire. Non, je sais pas. Peccable, et bah peccable! Allez, allons-y. Putain, j'ai entendu des gens dire ça dans un GTA RP, du coup j'arrête pas de le dire dans la tête. Je l'ai en tête et ça me casse les couilles. Dire allons-y, allons-y, je sais pas. C'est nul en plus, quoi. C'est comme Let's Gong. Je sais pas pourquoi tout le monde dit ça en ce moment. Je sais pas d'où ça vient, je crois que ça vient d'Antoine Daniel, parce que moi j'ai entendu chez lui. Mais tout le monde le dit en ce moment, je comprends pas pourquoi. Allons-y, pilote de F1, sinon je vois pas. C'est certainement ça d'ailleurs, ouais. Let's Gong, c'est quoi cette abomination? Bah c'est genre Let's Go, tu vois, mais Let's Gong, tu vois, une petite version améliorée, mais modifiée, tu vois. C'est pas si moche, tu vois, mais c'est juste que tout le monde l'utilise, du coup, ça me stresse. D'ailleurs, ça m'a toujours fait rire qu'il y avait un pilote de Formule 1 qui s'appelait Orton Senna. Et du coup, moi, dans ma tête, je vois un mélange entre Randy Orton et John Cena, du coup. Il est minuscule, son cheval, hein. En vrai, c'est ça qui est énorme, le mien. Ayrton, mais je sais que c'est Ayrton Senna, mais moi j'entends Orton Senna, et du coup je pense vraiment au catcheur, moi. En même temps, je pense tout le temps au catcheur, donc... Senna, pas Senna, je sais, mais oh là là, mais... Ok, monsieur, pas rigoler, hein. Ok, monsieur qui aime pas rigoler. Bon, attends, parce que j'ai la flemme de conduire, hein.
So I'm game for robbing any and every one of these bastards. Okay, yeah. Il s'est rien passé. Vous avez rien vu. J'ai pas du tout failli perdre mon casque. I guess it does. Je suis vraiment une catastrophe, mec, ça. Incroyable. Ah. Down the bayou. Let's get down to the Louisiana. Moi, je vais prendre celui-là, tiens, pour changer un peu. C'est super cool. Je trouve que ce terrain de d'ancien qui était où il y a eu la guerre, je trouve ça incroyable. Comment c'est stylé. Ah merde, mais non, bah pourquoi je me suis arrêté? Je trouve ça vraiment trop stylé ce coin là, vu que ça se voit. Tu vois vraiment qu'il y a eu une grosse bataille quoi. Oh! Oh putain! Comment on fait? Voilà. Je mets ça parce qu'il faudra que je vienne récupérer les autres dinosaures pour l'autre là, la meuf. J'ai l'impression de tomber sur... Ouais mais pareil, mais j'adore le bayou, moi je crois que c'est mon endroit préféré, bayou. Ah mais non, c'est pas les autres dinosaures, c'est des autres chevals, je suis con moi. Rudy. Je prépare hein, parce que j'ai pas confiance. Oh. Ouf. Excusez-moi. Should I know the I love you? What could you say to show you love me? There's nothing I'll tell it. Da 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 da. Oui, j'ai les musiques dans la tête. Ne cherchez pas. Let's have us a nosy. Da 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 da. J'arrive pas à examiner la structure. Ah voilà. Je dis de toute façon gratter des subs. Mais pourquoi? Ah non mais non oui non, du coup non non oui non pardon oui j'avais bien j'avais comment oublié que c'était ma sonnerie de sub. Pardon excusez-moi. Non mais je l'ai pas fait exprès. Je l'ai juste dans la tête. Faut que je fasse quoi? Faut que je le retire dessus? C'est une connerie si je tire dans le chariot plein de dynamite ou pas là? Non, non, fais pas sourire à Dej, j'aime pas. Je vais prendre un arc plutôt. Eh vas-y, ça me souche dans la tête. Ça me casse les couilles. Mais j'ai pas mon arc. Oh en vrai, le rolling block, ouais vas-y. Bon allez, c'est parti. Vous êtes prêts pour de la grosse baston? Il y a une chasse à la prime légendaire dans ce truc-là, Shadibel. Celle que je fais le plus pour farmer parce que je la trouve trop facile. Faut justement choper un mec qui s'appelle Eugène Beau. Ou Beau Eugène, je sais pas. J'attends tes ordres. I'm dynamite! Oh, we got something. We can hit them head on, fight them honest. Or you could go down there acting friendly. Friendly? With these folks? Oui, t'es pas très bien, c'est un peu des cons, là. Draw them into one spot, then I'll start shooting. Well, that might be the dumbest... Non, non, on va y aller à la loyale, hein. But hey, I'm always up for a performance. Mais bien sûr que non, on va y aller à la loyale. Bon, vous êtes prêts, ça va chier. Waiting on you. 3, 2, j'ai vraiment des gros problèmes psychomoteurs, moi.
Ma main, elle m'a pas écouté. Oh, je suis trop faible. J'ai entendu. Il est où le 1? Je l'ai cassé. Oh mec, c'est trop stylé ça. Ce que je viens de faire, c'est trop stylé. C'est vraiment un film, quoi. T'as du bol, toi. C'était vraiment digne d'un film, ce que je viens de faire. Ils sont tous cons, hein. Oh, dis donc! Ah non. La Gatling? Quelle Gatling? Oh oui! C'est freeze frame, mon gars. Ah, c'est ça qu'il fallait faire. Putain, il sortait d'où, lui? Mec, il m'a legit fait peur, le bâtard. Oh. Salaud. Je reprends mon chapeau, attends. Vas-y, attends. Je reprends mon chapeau et on fait un truc stylé, tu vois, genre... J'avance avec mon sniper. Je les abats un par un, tellement je suis bon, tu vois. Où ça? Effectivement. Qu'est-ce que je suis stylé quand même. C'est chiant d'avoir du charisme. Ils ont tellement de charisme. Bon, je les fouille un petit peu quand même, vite fait. La chaditude. La chaditude reste forte, effectivement. En plus, t'as même fait une référence à Sturie, donc écoute. Tu retiens nos conversations, donc c'est impeccable. Tu retiens mes streams, donc ça fait plaisir. Attends, je fouille un peu. Chad. je suis vraiment trop content de ce personnage. Je pense que vous avez remarqué, mais quand on va avoir fini Saints Row 3, je vais vraiment être super triste. Hein. Quand on va avoir fini Saints Row 3, mon perso, il va vraiment me manquer, en vrai. Allez, je prends celui-là, et on va fouiller le chariot. Parce que je crois que je vais avoir un game over si je me dépêche pas. Vu que c'est un monde ouvert, on n'a pas le temps de... Il y aura encore le 4. Oh, ce sera pas tout de suite le 4, hein, je te le dis direct. Hein. Oh! Des fusils à verrou, mec. Non mais ouais, le 4, en vrai tu vois c'est un peu comme Metro Exodus, je sais pas du tout les fracans parce que bah déjà je les ai pas, le 4 si je l'ai, le Saints Row 4 je l'ai, mais Metro Exodus je l'ai pas et j'ai clairement pas assez d'argent en ce moment pour me permettre de l'avoir tu vois, avec les DLC et tout j'entends, donc ce sera pas tout de suite, mais bien sûr que je les ferai, vous inquiétez pas, mais ouais par contre le fusil à verrou, deuxième arme préférée du jeu. Hein. Allez on y va. Bon sinon ça va, vous vous amusez bien, ma médiocre qualité de conducteur vous sied-elle? Okay. Hey, keep a cool head. Je me suis peut-être gouré de touche, ouais. J'allais pas les laisser vivre, hein, par contre, hein, vu comment ils parlent. Allez, on y va. Bon, bah ça s'est bien passé. C'est quoi One Way Heroic? Je connais pas du tout. Il a perdu son chapeau. Ça va, d'ailleurs, c'est fluide pour vous.
Est-ce que le son ça va ou pas? Ou faut que je vous monte encore un petit peu le son du jeu? J'ai pas demandé ça plus tôt, j'aurais peut-être dû. T'es un peck? Bah écoute, parfait. On va déjà gueuler si quelque chose n'allait pas. Je fais confiance pour ça, Persalis. Ah. Merci, on n'a pas tout le trajet à faire. Oh. Non, pas une deuxième fois. Tiens, j'ai soif. L'alarme a problème. Oh, c'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal du tout comme surnom ça. Et après, je pense qu'il est au courant, Arthur, où est le camp, non? Oui, non, ça va, c'est comme ça. Ouais. Ça me stresse que je préfère être dans du côté gauche, enfin droite, comme ça je suis plus proche de du côté du stream. Enfin, ça, ouais, je me comprends. Arthur, Lenny, coming back. Regarde, je suis un peu chaud, on est en train de détruire par une vague de TNM qui arrive. These are fine rifles, right? Ouais, c'est comme FTL en fait. Hey, I always enjoy riding with you, kid. Prends les bros. You know how to fight. Hey, you too. Anytime, Arthur. Oh, le fusil à verrou, mon gars, ça va être bien ça. Exactement, Persali, ça c'est moi, tu vois, comme ça. C'est moi, Bob Ross. Allez, le ragoût. Ah, le ragoût est prêt. Encyclopédie mise à jour. Ça lui va m'engueuler. How are you liking life as a lawman? What are we doing, Dutch? Well, I think they call it hiding in plain sight. Oh, is that what they call it? Donc tout le reste, non, d'accord, très bien. Go prendre lui. Go peindre comme lui. Ouais, c'est vrai que je suis un très très bon peintre. C'est faux. Friendly and helpful. Interesting theory. I wonder how the practical will work out. We shall see. Faith. Ah, faith. Hey. I just need a little faith, Arthur. Arthur. This place. Sure. I used to really look up to you, Jose. Not now, Arthur. I'm only joking with you. Hey, Tilly. Tilly, merci. Voilà, merci, je voulais juste manger. Il y a des gens qui s'engueulent, c'est quoi ce camp? Mais arrêtez de me parler tous, là! Comment vous me cassez les couilles? Laissez-moi! Je vais passer... Je vais laisser... Je vais pas lire ce que t'as dit, Gitarno, mais c'est marrant. Allez, matin. Alors, on va dormir. C'est une famille et pas un camp. Ouais, c'est un camp de famille. Bien nickel. Ça explique pourquoi ça s'engueule. Ah bah. C'est reparti. Superbe ambiance. Putain, quelle ambiance. Non, on va pas aller faire sa mission à lui, on va aller faire la mission de Beau Gray. Hop, ce qu'on lui a dit, ce qu'il faut qu'on... On va encore refaire les messagers pour les deux amoureux, là. Comme ça, on sera... C'est pas vrai, t'essaies pas de lire, en plus. Mais c'est moi. Oh, mais pourquoi tout le monde me parle? Eh, foutez-moi la paix. Je vous en supplie, foutez-moi la paix. Pour une fois que j'essaie d'être une fleur... D'être fleur bleue. C'est-à-dire... Être poète. Un poète. D'être un poète, c'est ça?
Bon, allons-y. N'allons-y pas. Il y a des chasseurs de primes, on va pas y aller. On va passer par là-bas. Je ne dirai rien. D'accord. Oh, encore des chevaux. Attends, je vais les fouiller. Les étudier. Dégage! Bon, c'est bon. Allez, on y va. On va passer par là parce que ça pue la merde comme coin. On est un peu surrounded, tu vois. C'est bon, je les ai fait des spawns, impeccable. Allez, on y va. Parfait. Allez. Bon, du coup, il y a encore... Attendez, je vais virer ça parce que c'était juste un cheval, en fait. Je suis vraiment un con. C'est où? Il était où? Ah, c'est bon, il est parti. Merde, je suis en train d'en mettre plein. C'est où, Shady Bell? Non, bah c'est bon, du coup, je l'ai enlevé. C'est bon, je l'ai enlevé, ok. Parfait. Du coup, ouais, il faut que je passe à Rhodes. Donc, je vais aller améliorer mon fusil à verrou que je viens de récupérer, du coup. C'est qui, ça? You can see the bind I'm in. I need help again. Come on. Okay, fine. I know this doesn't look good. But I swear I didn't. C'est celui que j'avais tué sans faire exprès. All right. Second time's the charm. I can't believe it. Oh, I thought they were never coming off this time. Listen, buddy, I ain't got a red scent for you, and I feel terrible. But I did overhear something of interest. Some fat feller and his wife had a pig farm northeast of Rhodes, near the border with Roanoke. Word is he's got piles of money. What? I look the type for all that, huh? That's up to you, friend. Ça c'est pas affiché sur la carte. Non, c'était celui dans le sous-sol à Rhodes que t'avais tué. C'est vrai. Le gamin là, oui. Que j'avais, à qui j'avais tiré dans le pied au lieu de le libérer. Ça marche, j'ai regardé ça tout à l'heure, pseudo, merci. Le jeu est bien mais pas connu. Oh, comme beaucoup de jeux, hein. Beaucoup de jeux sont pas connus mais sont quand même très très bien. Hein. Je vais améliorer mon fusil du coup parce qu'il me reste 400$ donc en vrai je pense qu'on est tranquille. Je sais pas c'est quoi ici mais j'irai plus tard. Hein. Ah merde mais c'est vrai qu'il va nous engueuler peut-être le mec là-bas. Parce que bah je vous rappelle la dernière fois. J'en ai marre. Oh! Un nouveau chapeau! Aïe. Coup dur pour Guillaume. Il est où le nouveau chapeau? Oh, mais il y avait un nouveau chapeau! Mais quel pays de merde! Bon, voyons voir. Déjà, bah non, je suis con, je l'ai déjà amélioré à l'abruti. Fusil à verrou, voilà. Et ensuite, je vais également modifier le vernis parce que je la veux pas de cette couleur là, moi. Je la veux vraiment beaucoup plus sombre. Quelle victime, hein, mes mecs, mais. C'est incroyable à quel point je suis vraiment la victime de l'Ouest, quoi. Ah, une couleur très sombre, j'aimerais bien. Comme ça. The West Victim. Mec, elle est parfaite. Ma carabine est parfaite. Allez, on y va. Direction. Qu'est-ce qu'on voulait faire là? J'ai oublié. Ah oui, retournez voir le gamin là qui voulait qu'on aide à pêcher sa meuf là. Enfin, le gamin.
Weakest victims in the West. Ah mais mec, mais ce stream, ça a été victim simulator. Hein. Je me suis fait tabasser 3 fois à Valentine. Enfin, genre, catastrophe. J'ai tué quelqu'un sans faire exprès, je préfère préciser. Ma barre, elle est plus du tout neutre. Hein. Bon, j'espère que ça va être une mission avec un peu plus d'action. Je crois que pas du tout. Mais, avant de lancer la mission, je vais vous abandonner, franchement, 5 minutes, juste le temps d'aller faire un petit tour dans un truc qui s'appelle les toilettes. Je reviens tout de suite. Attendez, je vous mets la pause. Hop. Je suis pas dessus normalement, c'est bon. Je reviens tout de suite, je vous mets de la musique. Hop, me revoilà, excusez-moi, on y retourne tout de suite. J'ai fait le plus vite que je pouvais. Attendez, j'ai pas mis Streamlabs du bon côté, voilà. Voilà, on y retourne, excusez-moi. Voilà, alors. C'est bon, tout marche bien. Ouais, c'est bon. You got my money? Sure. Did she give anything? For me? Yes. Might I have it? Sure. Well, I can't be bothered. Here, take it. Oh, il est gentil ce Arthur quand même. You're... Thank you. Oh, gros cheval. What a woman. She's... This'll get her killed for sure. What? Women's suffrage. Around here, they don't even like men voting. They bring back the monarchy, given half the chance. Progress is a dirty word in these parts. Oh, excusez-moi, j'avais oublié de couper le son sur mon retour. I don't want to marry my cousin Matilda. I want to marry Penelope. But they're gonna... They'll kill her at one of those rallies they're holding. They've done it before. Mister, you gotta help. No, I'm afraid I don't want... Putain, je me souviens plus du tout de ces missions, lui. Still got some money. Fine. Just... No more running around with letters. Thank you. Come on. La barbe elle pousse là. La barbe elle commence à bien pousser là. Attends, on va en remettre un peu. Je veux que la barbe elle pousse bien. Je veux qu'il ait une grosse beubare, Arthur. Bon, allez, du coup. Oui, bah. J'arrive. Hein. Je vais monter son dans mes oreilles parce que moi c'est vraiment pas fort en fait. Voilà, parfait. Non, je sais pas bien le bon. Si, c'est bon. Ok. Hop.
Bon, sinon ça va vous? Qu'est-ce que vous faites de beau, les copains? Racontez-moi. Qu'est-ce que vous faites de beau en me regardant? Attention aux blagues dégueu, je vous en supplie. Oh, mon cheval, il est sale du cul. Mais non, elle se fera pas tuer. Elle sera pas tuée, arrête d'être défaitiste là. Oh, c'est quoi ce bordel? Oh putain, c'est cette mission! J'avais oublié! J'installe le DLC Paris sur Valhalla. Ah, ça y est, il est sorti! Fight this mob. We must begin. They need me alive. This is no laughing matter, sir. They need protecting from certain elements. Mostly my family. Penelope, I beg. Après, t'es shérif, frérot, donc t'es adjoint au shérif, donc. Your friend here can drive the wagon for us. It'll allow us to shout all the louder. Hooray! Sure. Miss Calhoun. Aujourd'hui, ça marche. Mais j'ai peut-être voir quelques petites vidéos pour. Normally, I like to drive myself, but today I feel like a man joining us sends the right message. Le cel shading autour des personnages, il est chelou. Je regarde le stream. J'espère que tu apprécies ce que tu vois et que tu n'es pas là que par charité. Je pense que je stream demain. Bah, je sais pas si je serai occupé, mais si jamais je suis pas, j'essaierai de passer. Allez, c'est hyper. Take us down Main Street, right through town to the steps of the Bank of Roads, Mr. What was your name? Arthur Morgan. Very good, Mr. Morgan. Not too quick. Mais le DLC Valhalla, il ajoute des missions ou c'est juste une map? Enfin, je veux dire, c'est des missions, mais genre, c'est pas juste du cosmétique, quoi. Pourquoi il y a un mec à poil, là? Il est à poil, là? Ah oui, il est torse poil. Oh, il est dégueu. Stay on Main Street. It's a left up here, Mr. Morgan. Look at these people. Campagne, mission, map, armure, arme, autre. Ça marche. I believe you might be right. Good day, Sheriff. I trust you'll make sure it's a peaceful assembly. Grosse ambiance hein, sur cette mission. Yes. A little further, please. Stop just past the bank. This spot is fine, sir. Ladies, get down. Oh la vache, mec, on comprend rien à ce qui se passe. Ça gueule dans tous les sens. Je me souviens plus, tiens, ce qu'il a dit. Today is the day we begin to live as equals. Yes, equal, sir. Fair and equal. This is unnatural. This is nonsense. Fair, equal and free. Just as the founding fathers. Je peux pas taper le mec là. Founding fathers, not founding mothers, you silly old goat. Je peux pas leur foutre sur la gueule ou pas? Hey. What the hell are you doing here, boy? Keep your voice down. I'm trying to listen to this. Oula. Hello, darling cousin. Va se foutre sur la gueule, mec. Speak to me like that. What are you doing here? Listening, I suppose. Go help Bo. His cousin is a moron. Allez, on va se latter. On va leur péter la gueule. Mais péter la gueule. Some manners, cousin. Haven't you got anything better to do? Oh, you always was. Bo, weren't we just leaving? Who the hell is this? Follow me, Ronnie. Or what? You'll hit me? Come on.
Littéralement, viens, on va régler ça derrière, quoi. Mais moi je sens qu'on va se latter avec eux. Ah non, c'est moi, ils sont partis. Oh. Vas-y, c'est nul, je voulais me battre moi. Je voulais me faire péter la gueule, comme au début du stream, enfin. Vas-y, je te suis, hein. Ouais. Tu vas jouer au shérif, je te rappelle. En plus, oui. Bah non, du coup, non, bah non, du coup, c'est pour ça que tu dis ça. Bah, et alors, je fais ma propre justice. La justice, c'est moi. D'accord. La loi, c'est moi. Et l'ordre. D'ailleurs, regardez Dredd, le film avec Karl Urban, il est vraiment cool. C'est un super film d'action. Et c'est comme disait Karim Debbache, c'est une très bonne surprise. Et je vous recommande de ouf, en vrai. Parce que je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai vraiment kiffé de ouf. Il a vraiment des scènes de incroyables, quoi. Et en plus, il y a Karl Urban qui est quand même un pur beau gosse. Qu'est-ce qu'on fait là? J'ai oublié. Quand on a vu débarquer des hordes de bouseux fanatisés... Oh, merci, Rocker! Merci beaucoup, Rocker! Bonsoir! T'as pété mon chat! Attends, t'as pété mon chat. Voilà, bonsoir, Rocker, ça va? Bon, écoute, ça va tranquillement, hein, un peu claqué, mais ça va. Bravo, quoi, bravo. Ah, parce qu'il a pété mon chat. Calme-toi, Deli, tout va bien. Oh, j'ai la tête qui tourne. Bravo, calme-toi, Dweli. Doucement, Dweli, prends tes caches, ton papy. Pas fin, papy. C'était pas méchant quand je dis papy, hein. Dwelito, c'est mignon. Non. Non, mais Dweli, c'est quelqu'un de très mignon de base, hein. Bon, écoutez, quelle heure il est, là? Je vous propose, on va aller faire la capture de la prime là, enfin. Je vais essayer de pas avoir d'accident sur le chemin et je pense que je couperai le stream juste après. On fera 2 heures de stream, c'est très très bien en vrai. Vas-y, on va faire ça. Donc direction Valentine. Oh, si, attends, je voulais faire un truc avant. Je vais brosser le cul de mon cheval. Bienvenue au club des papis. Je rigole, ça va, je rigole. Je paierai vos retraites, vous inquiétez pas. Je suis vraiment un enculé. Je suis vraiment un gros enculé, moi. J'ai des têtes qui tournent. Ah. Oh, il y a un truc là-bas. On va aller voir. Il y a un truc. 100%, il y a des méchants. Il y a des méchants? Ouais, ouais, le bruit que vous avez entendu, j'ai cru que c'était chez moi. Hein. Ce nom, mais c'était juste une bête. Ça va, Dweli? Je sais pas pourquoi tu fais ce petit smiley, tu es triste, peut-être. J'ai l'impression que ce sourire est très, très sarcastique. Yes. En tout cas, il l'est, j'ai l'impression. C'était où? C'est là-bas. Ah, mais c'est mon camp. Oui, c'est mon camp, je suis complètement con, en fait. Non! crie pas. Ça va, en vrai, tant mieux. D'ailleurs, ça va, t'as plus mal à cause de ta dose, là? De vaccin. Ah! Coup de feu. Oh putain, encore un robbery. Un robbery de banque. C'est passé. Bon bah tant mieux, écoute. Hop. Et voilà, ça se passe plutôt bien. Allez, parfait.
Bon bah t'as du bol que ce soit passé du coup, tant mieux. Et du coup c'est bon, tout est bon, t'as tout réservé pour samedi, tu vas pouvoir aller faire ton test, tout va bien se passer. J'ai trop hâte mec hein, par contre. Là je sais que ça n'a rien à voir avec mes streams, mais j'ai vraiment trop hâte de venir sur Nantes ce week-end. Hein. Bon bah tant mieux. T'es tout prêt pour qu'on se voit du coup. Hop, parfait. Week-end chargé, ah ouais. Ah ouais, tu m'étonnes. Gros week-end qui arrive. Ah moi demain je vais à la salle là, mais je pense que j'irai pas vendredi parce que sinon je vais être complètement claqué et j'aimerais bien dormir. Genre samedi, midi, je bouche un peu. Et après il y a le meet-up. Ah bah ça va, nous on va arriver sur Nantes vers 11h je pense. Vers 11h slash midi. Oui, je fais partie des gens qui disent slash à la voix. Voilà, c'est tout. Slash. Ouais, comme le chanteur. Bassiste. C'est qui Slash? Je sais qu'il a un chapeau. Guitariste. Guitariste, ok. D'accord, ok. Je sais juste qu'il a un chapeau. C'est pas un batteur? Non, je peux confondre avec autre chose. Je sais même pas il est dans quel groupe, il était, où il est, où il fait quoi, enfin j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'il fait ce mec. Avec Phil Collins, comment tu parles tellement mieux de Phil Collins mec. Phil Collins, il est là, dans mon cœur. On défait que Slash avec son chapeau et sa grosse coiffeur et ses lunettes. Je sais qu'il a un chapeau, mais j'ai aucune idée de qui c'est. Guns N' Roses, Velvet Revolver. Yes, deux groupes que je connais pas. Parfait. Enfin, que je connais pas. Que je connais pas plus que ça, quoi. Que je connais que de nom. Mec, j'ai enculé 200 cure-dents entre hier et aujourd'hui. Guns N' Roses, je connais. Mais je dois en connaître une ou deux, quoi. Enfin, genre, je dois en connaître... Ouais, je crois que j'en connais que deux, quoi. Knock on the Heaven's Door. Et encore, c'est une reprise. Et... Je me souviens plus du titre, mais fait. Un truc comme ça. Sweet. Sweet. Quelque chose. Non, sweet. Putain, sweet quelque chose. Paradise City Wave. Non, c'est pas ça. Non, je connais pas celui-là. Sweet Child of Mine. Sweet Child. Ouf, c'est dur à dire. Sweet Child of Mine. C'est celle-là que je connais, moi. Et encore, je crois que je la confonds, du coup. Du coup j'ai un doute. Mais celle-là je la connais. Voilà, c'est vraiment les deux seuls que je connais et c'est vraiment ça m'intéresse pas du tout de découvrir. C'est comme. Y a plein de groupes comme ça, je connais qu'une ou deux musiques. Hein. Genre Metallica, j'en connais qu'une ou deux, tu vois. Et encore quand je dis que je connais, ça veut pas dire que j'aime. Hein. Comment ça s'appelle? Rage Against the Machine, j'en connais qu'une. Y'a quoi d'autre de ce truc assez mythique que je connais pas? Ozzy Osbourne, j'en connais que deux. Black Sabbath, j'en connais une ou deux, quoi. Dont Iron Man, du coup. Oh la vache! Jesus, ain't this sad. You hunting yourself? Quit your goddamn jokes and help me, you bastard. Help me now. Ah, ça me dégoûte. Oh, ça me dégoûte. You did it. Praise Jesus. Oh la vache. Gotta grab something for the blood. Thank you.
J'ai eu du whisky, tiens. Done for you, say to me. Thank you. Take something from. Oh, il a du sang culé, le pauvre. Non, moi, je vais rien lui prendre, mec. Ça se fait pas. I'm gonna take a minute now. Donne-lui du whisky. Here. Drink this for the pain. Tire-lui dans la jambe. Bah non, il va encore moins la sentir. Il y a quoi dans son sac, quand même? Balle pour fusil. Non, mais je m'en fous. My leg feels like it's on fire. Bon, bah, bonne chance, frérot. Hein. Come on, girl. C'est vrai que putain, ça va faire mal, quand même. Bon, j'aimerais bien aller chasser l'autre, là. Comme ça, on pourra de nouveau... on pourra la ramener et ensuite, du coup, je pourrais... Je sais pas, on verra. Ça pue le piège ici. Ça pue le piège. On dirait que ça me force à y aller. Non, ça a l'air bon. Ça devait pas être pour moi. Oh putain, si. Là, il va y en avoir qui vont sortir. Oh mec, je suis tellement parano. J'imagine des combats qui aura sorti probablement jamais. Je suis vraiment fou. Bon bah tout s'est bien passé, je me suis pas fait attaquer. Ah, elle est en face, parfait. Enfin on va pouvoir le faire. La faire. La buter. Non bah non, faut que je la ramène vivante. C'est vrai, je suis con. Je ramène toutes mes cibles vivantes. Je suis un chasseur de primes hors du personnel. Du commun, hein, du commun. Quoi personnel? Je crois que je suis éclaté. Bon, je vais pas faire genre, je sais pas où elle est. Je vais pas faire genre, je sais pas. Ça marche, Rocker. Merci de passer, Poto. Et merci pour le raid encore. Oh, j'ai cru qu'elle allait me poignarder, mec. Elle était à deux doigts de me poignarder, là. Attends, je vais juste le fouiller aussi, parce que tant qu'à faire, écoute. Hein. Oh, il y a de la picolade. Il y a de la picole. Bah, parfait, du bourbon. Bon. Bon, ça va, c'était simple. Elle a juste buté un mec, quoi. Je te brutalise pas, je te mets sur mon cheval, madame. De toute façon, quand on arrivera là-bas, tu te feras pendre, donc... Écoute, tant qu'à faire, hein. Arthur ? Putain de merde. Non mais mec, je te jure, je sais pas comment je fais, ça m'énerve. Hein. Mais moi je m'énerve. L'arbre est littéralement devant toi. Mais c'est le cheval, faut qu'il esquive au moment, c'est pas que ma faute. Il est con ce cheval aussi. C'est insupportable, mec. Faut que j'emmène où, Valentine? Ça marche. Mauvais côté. Tartine! Mais c'est toi qui dirige le cheval. Ouais, mais faut qu'il ait sa propre conscience à un moment. C'est pas que ma faute, quoi. Oui, c'est toujours la faute du cerveau. Mais c'est bon, tout va bien, regarde Persalis, mon cheval est en vie. Aïe. J'ai buté un truc. C'est vraiment un réflexe que j'ai en multi, ça.
strong man. So tough. I ain't falling for it. Bon, ça suffit, madame, à un moment là. Juste mettre un coup de fusil à pompe. Hein. Vas-y, reparle pour voir. Juste pour voir là, vas-y. Attends, je prends plutôt le double canon parce qu'il a un plus. Oh, t'as du boy, l'orange. C'est la faute à mon cheval. Ah, c'est ça, c'est pas ma faute. Le cheval, c'est pas ma faute. Eh, bouffe ta mère. Petit cerveau, grande gueule, ça c'est moi ça. Ça c'est vrai. Le cheval, il est tombé. Bon bah ça s'est plutôt bien passé ce soir. On a quasiment fait aucune mission parce que pendant une heure, je me suis fait tabasser en boucle par des pécores et des gens normaux, enfin des gens random. Mais c'était bien. On a bien avancé là. Ce qu'on appelle un stream remplissage. Non, en vrai, ça va. On a fait quelques missions, quand même. On s'est infiltré. Je m'infiltre dans vos maisons et je m'installe. Salut, bonjour, messieurs, dames, bonjour. Pardon, excusez-moi. Ah, ouais. Ok, Harley Quinn. Elle a de la merde sur la tête ou c'est un chapeau? Ah non, c'est mon chapeau. Je pensais plutôt à demander à mon cheval, mais ça marche aussi, je connais pas. Yeah, we did. Tu m'as tiré dessus, toi, il y a quelques jours, toi. Sache que je te foutrais ta gueule, toi. Je te fumerais ta gueule, hein. Tu m'as tiré dessus, connard de shérif. Hein. Poor dear. Excusez-moi. Bon bah voilà. Florent Pagny, ah je connais pas. Enfin je connais, mais je veux dire je connais pas ce qu'il a fait comme musique. Hein. Excusez-moi. The Black Widow herself. This town's so starved of women. I'm sure she could find herself a husband yet. J'ai toujours pas vu Black Widow. J'ai toujours pas vu Black Widow, je sais pas ce qu'il donne. On va aller au camp et je couperai le stream juste là. Hop, parfait. On va refaire un petit trajet comme ça fait du bien, tu sais, on discute entre nous, tu vois. Et non, ouais, c'est vrai que je connais pas du tout ça, cette chanson-là de Panny. En fait, la seule de Panny que je connais, c'est... Mais encore, je la connais parce que des fois, il y a un extrait qui passe à la télé, hein. C'est là où je t'emmènerai. Mais c'est vraiment la seule que je connais, quoi. Si, il a pas fait un truc avec la liberté de penser aussi. Je te mets ça dans ton Discord. Écoute, impeccable. Genre du Florent Pagny et du héroïque galactique, je sais pas quoi à regarder. C'est la même ambiance, de toute façon. c'est comment ça s'appelle déjà le jeu que tu m'as parlé, pseudo? Héroïque. Je sais plus quoi. Battlestar Galactique. Non. Merde, j'ai oublié. Non, j'ai oublié, c'est pas grave. Ouais, j'ai failli avoir un accident, là. Putain, d'ailleurs, en parlant de pseudo, vu que t'avais regardé Warriors, mec, c'est incroyable parce que l'acteur, là, qui joue Hassan, à chaque fois que je le vois dans un truc, maintenant, je saute de joie et je me dis, putain, allez, tabasse-les, fais-leur du kung-fu. Battle Heroic Galactic, ouais, c'est ça, voilà. Mais ouais, parce que, genre, dans la série que je regarde en ce moment, je dirais pas laquelle, du coup, pour pas spoiler, à un moment, il apparaît. Et j'ai hurlé en mode « Oh putain, Hassan, vas-y, fais du kung-fu !» Alors que pas du tout, quoi. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Et j'adore cet acteur, et j'ai trop hâte d'aller... Je pense que je vais aller voir Snake Eyes au cinéma. Parce qu'il est dedans, et du coup j'ai envie d'aller voir. Je suis vraiment un putain de simp. Hein. C'est quand même un bel homme, hein. Non mais ouais, voilà, c'était la petite anecdote. D'ailleurs, j'ai vraiment ça. J'ai envie que la saison 3 de Warrior elle sorte. Et si j'en ai pas déjà parlé, allez regarder Warrior, c'est vraiment la meilleure série du monde. Warrior de 2019, basé sur les écrits de Bruce Lee.
Allez voir ça, c'est incroyable. Vraiment la meilleure série jamais réalisée au monde. Une putain de... C'est vraiment Peaky Blinders, mais en 100 fois mieux, quoi. Je suis en train de regarder la dernière saison de Peaky Blinders, là, en ce moment. Qu'est-ce que je trouve, la trouve chiante, par contre. Si, là, il y a des nazis. En fait, il y a trop de politique, ça me gonfle. Je suis sur la dernière saison, là, donc j'ai hâte de finir. Comme ça, je pourrais passer à autre chose. J'ai envie de me refaire, de continuer Brooklyn Nine-Nine, parce que dans 2 jours, il y a la dernière saison de Brooklyn Nine-Nine qui sort. Et bah, du coup, j'aimerais bien rattraper pour pouvoir finir la série en même temps, tu vois. Pareil pour Stargate, j'essaye de binge Stargate en ce moment. Stay right there and don't move. You got a bullet coming, you don't stop still. This here's a hold up, you know what to do. Why don't you stretch your legs, huh? Had to stop me. Huh. Your mistake. Gonna bury you. Oh merde! Hop! Je vais pas dire qu'elle est meilleure, mais elle est bien. Moi je suis désolé, mais Warrior c'est vraiment devenu ma série préférée. Hein. J'avais commencé cette série, ça m'a paru vite chiant. De quoi, Peaky Blinders? Ou Warrior? Parce que si tu parles de Warrior, fais gaffe, on va juste se battre. Hein. J'espère que tu parles de Peaky Blinders, Persalis. Blinders, ok, ça va. Bah, c'est vrai que je trouve qu'elle est un peu lente, un peu chiante. Mais c'est qu'il y a quand même des trucs cool dedans. Il y a quand même plein d'acteurs cool. Vu comment tu te bats, je sais pas trop comment faire. Ça fait mal, ça. Attends. Ah, je sais pas le faire, le bruit de Steve qui prend un coup dans Minecraft. Non, je sais pas faire. Non mais ouais, Warrior, c'est vraiment... Je suis désolé, c'est vraiment une des meilleures séries qui a jamais été faite. Hein. Je le maintiendrai vraiment jusqu'à la fin de mes jours. Avec American Gods. En espérant que la saison 3, du coup, de Warrior soit bien. Soit à la hauteur des deux précédentes. Putain, j'ai envie de me refaire Warrior, du coup. Ouais, je vais peut-être me redéle la série pour la remater, du coup. Malheureusement, tu te fais malheureusement bien le dégât dans Minecraft. Ah, franchement, tu fais malheureusement bien le dégât dans Minecraft. Merci beaucoup. T'as vu, je suis un geek. Je suis trop un gamer. Pourquoi elle me parle, elle? Fais voir niveau barbe. Oh, il commence à être pas mal là en vrai en barbe. Hein. Juste virer un peu de la stache. Voilà, parfait. Bon, allez, qui parle le rompichasme dans le jeu. Oh là là. C'est de pire en pire quand je parle, moi. Hop. J'ai dit hop. Bonne nuit, Arthur. Voilà. Je porte pas la vue FPS. Minecraft a toujours fait des jeux, je peux pas vu FPS. Bah, après Minecraft, je rappelle, tu peux jouer en third person shooter. Tu peux y jouer en TPS à Minecraft, je te rappelle, poteau. Hein. Bon, écoutez les gars, moi je vais vous laisser là. Ce fut un stream très rigolo, on a bien rigolé, c'était très sympa. J'ai pas pris, il y a pas beaucoup de pourcentage de progression. Tu savais pas? Je sais pas si tu déconnes ou pas du coup. Ça, le problème avec les gens qui font tout le temps des blagues, c'est qu'on sait pas quand ils rigolent ou quand ils rigolent pas. Tu rigoles ou tu savais vraiment pas qu'il y avait... Non, tu savais pas? Ah bah, si t'appuies sur F5... Merde, attends, excusez-moi. Si t'appuies sur F5, t'as une vue TPS, hein, poteau. Moi, ça me fait ça dans le jeu style vieux Doom, la motion sickness, c'est de la merde. J'ai jamais vraiment joué au vieux Doom, donc j'avoue, je connais pas. Si, j'ai rien dit, j'ai Doom sur mon téléphone, là. J'ai Doom sur mon téléphone. Et c'est le vrai Doom hein, que j'ai sur mon téléphone. Hein. C'est-à-dire que j'y joue vraiment comme ça et tout. Hein. C'est de la merde, hein, mais c'est super cool. Bref, les gars, du coup, bah écoutez, moi je vais vous laisser là. Je vais vous mettre... Y a pas un copain qui stream, attendez, je regarde vite fait...
Non, il n'y a personne qui stream que je connais. non, du coup, non. Bon, bah écoutez, moi je vous fais. Merde, j'ai coupé YouTube. Bon, c'est pas grave. Bon, écoutez, moi je vous fais un gros bisou. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Là, je pars en week-end, donc vous n'allez pas me voir avant lundi. Mais je reviens pour de nouvelles aventures. Je vais vous poster toutes les rediffs avant de partir. Comme ça, vous avez des trucs à regarder. N'est-ce pas? Grosse bisette. À très bientôt. Ciao.